Bonjour à tous, c'est Mamoto. Bonjour à tous, c'est Gabriel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Pokébox. Et comme la dernière fois, eh bien, c'est Gabriel qui va s'occuper de cette petite ouverture comme un grand tout seul. Donc c'est ses premières vidéos sur YouTube. Donc c'est pas facile pour lui, donc faut l'excuser. Hein, parfois, il hésite, les cartes bougent un petit peu, donc on s'en excuse par avance. Mais il fait de son mieux, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc il va nous présenter la petite Pokébox. Oui. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir la Pokébox Zacian. Voilà, donc c'est la première Pokébox qui est sortie. Oui. Ou la deuxième plutôt, la deuxième Pokébox sortie pour la deuxième. Épée Bouclier. Pour Épée Bouclier, voilà. Voilà, donc l'année dernière. Voilà, elle est très jolie. Ici, on a le signe. De V, ouais. V. On a le Zacian. Le logo. Et le Zamazenta de l'autre côté. Qui est super beau aussi. Oui, je l'adore. L'arrière, pour ceux qui veulent lire. Voilà, très bien. Voilà. Et du coup, on va enlever le film. Hein, je vais te l'enlever. Hop. Moi, je suis l'assistante. C'est moi qui gère les ciseaux. Hop. Ouais. Et en plus, on va pouvoir remonter la box sans le film. Et c'est encore plus joli. Elle est plus jolie sans le film. Elle est encore plus belle et magnifique. Ouais. Elle est magnifique. Tu le mets à l'envers. Hop, voilà. Bon, on va l'ouvrir. Hop, voilà. Parfait. Alors, on a... Ah, elle est accrochée. Non. Ouais, alors celles-ci, elles sont accrochées encore, donc je vais te l'enlever. Je récupère juste le code. Voilà, moi, je sors les boosters. Tout à fait. Je vais mettre dans la pochette, puis comme ça, tu pourras la montrer après. Alors, attends. Donc, on a quoi comme booster à l'intérieur? Alors, un booster soleil et lune. Les premiers boosters soleil et lune avec Félin Inferno dessus, ou Félin Inferno, on dit comme on veut. Un deuxième booster, le deuxième booster, c'est Pokémon épée et bouclier avec Zacian dessus. C'est aussi les premiers boosters épée et bouclier. Exactement. Et on a deux boosters Clash des Rebelles, épée bouclier Clash des Rebelles avec Salarsen Gigamax. Mm-hmm. Voilà. Et je sais plus comment les Les Argus, voilà. Les Argus, tout court. Dynamax, voilà. Il est même pas Dynamax, c'est les Argus. Ouais. Voilà. Du coup, je te redonne la carte, comme ça ouais, tu vas pouvoir voilà la montrer. Donc, la fameuse carte de Zacian, donc les cartes qui pour est très jolie. Elle est vraiment très jolie, ouais. Donc, voilà. Tiens. Et du coup, on va pouvoir ouvrir les boosters. Alors, tu les as dans quel ordre? Plus vieux au plus récent. Voilà. Donc, je vais te montrer comme tu as des petites mains. Oui. Donc, on va commencer par le soleil et lune. Ensuite, on fera épée bouclier et on fera les deux Clash des rebelles pour finir. Hop. Donc, moi, je vais couper les boosters avec les ciseaux. Hop. Là, le petit... Tiens, tu pourras donner le code. Te voilà le booster. Vas-y, passe devant la caméra, que tout le monde voit. Le petit code cadeau. Voilà. Voilà, pour faire plaisir. Et ensuite... Alors, 1, 2, 3 et 4. On passe derrière. Oui, enfin, c'est pareil. Voilà. Alors, on commence avec une énergie psy. Draco. Pic venin. Matoufeu. Manglouton. Brindibou. Cosmog. Ponchio. Goélise. La reverse, c'est un petit art. Ouais, et la rare, c'est un rubambelle. Elle est très jolie. Attends, ouais, on va la remontrer parce que franchement, elle est super belle. Moi, ouais, j'adore. Regardez comme elle est belle. Mm. Comme Gabriel bouge un peu, très, je vous la remontre. Très jolie. Elle est franchement magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Et le petit art, pour ceux qui veulent voir. Voilà. Tac. Très jolie aussi. Donc, on va les mettre sur le côté. Vas-y, redonne-moi le booster vide. Et du coup, on passe avec Zacian de Pokémon épée et bouclier. Voilà. Hop là.
Tiens, tu pourras donner le code aussi. Hop, je te les pressors. Allez, vas-y. Alors, le code cadeau, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. On passe derrière. Voilà. Et on continue avec une énergie acier qui clie. Super bonbon, œuf chance, moumouton, Wistempo, l'arméléon, rhinocorne, Roselia, la river, c'est un crustabri et Berserkade de Galar en carte rare. Franchement, elles sont toutes les deux super belles. Oui. Le Berserkade, il est très 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 joli. On a une belle holo. Et le crustabri, c'est aussi une rare, comme vous voyez. Et franchement, elle est magnifique aussi. Très belle illustration. Bon, on va les mettre sur le côté. Franchement, c'est des bons boosters. Hein. Il n'y a pas d'ultra, mais c'est quand même des bons boosters. Alors, on passe. On passe à les Argus, cloche des rebelles. Voilà. Hop. Là, on va garder le code pour celui-là. Ouais, on garde le code. Je l'enlève. Enlève-le. Et je tourne pour pas qu'on puisse voir pour l'instant le contenu du booster. 1, 2, 3, 4. On passe derrière. Et on continue avec une énergie acier. Percy. Stade de Grimbury. L'ombre. Caninos. Charby. Meditica. Larvibule. Electek. Oh, un Magmar. Et un Excavarène. Ok, ça va. Excavarène. Ouais, je me trompe toujours avec le nom de ce Pokémon. Mm-hmm. Ok, donc là, on a pas de rare reverse. Et donc, le dernier booster. On a la poisse. Ouais, on n'a pas beaucoup de chance en ce moment. Le dernier booster, c'est ça, Solarsan Gigamax. Clash des Rebelles. Voilà. Hop. On garde le code cette fois-ci, nous. Ouais. Et on continue avec... Alors, 1, 2, 3, 4. On passe derrière. Et on continue avec une énergie psy. Sonia. Bekipan. Archéodong. Magikarp. J'adore le Pikachu. Ah, il adore. Ouais, oui. En plus, c'est le même que dans Pokémon... Ah ouais, le truc de brossage de dents. Ouais, voilà. Oui, Smile ou quelque chose comme ça. Meditica, Moufouette, Larvibule, Goélise, Electek et Arcanin. Arcanin, il est très beau quand même. Attends, il y a une carte qui m'intrigue. Il t'intrigue Larvibule ? Oui, parce que le Pokémon derrière, il y a un Déflaison. Enfin, oui ! Derrière, il y a un petit Pokémon. Ouais, il y a un Déflaison au fond de l'illustration. Ici, ouais, on le voit. C'est vrai, je l'avais pas vu. J'ai jamais remarqué. Ben, c'est la première fois aussi, j'avoue. Bon, mais encore pas d'ultra dans cette ouverture, décidément, on n'a vraiment pas de chance. Hein. Mais c'est pas grave, ça fait de l'entraînement. Hein. Ça va ? Ouais. Ça va mieux que la première ? Ouais. Ouais, ça se passe bien. Moins stressé. Moins stressé ? Ah ben, c'est normal. C'est normal, tu vas t'habituer à force. Oui. Ouais. Bon, bah, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, bah, la prochaine Pokébox, on peut déjà vous l'annoncer parce qu'on sait déjà ce que ce sera. C'est Zamazenta. Voilà. Donc, dans une semaine, on se retrouvera pour l'ouverture de la box de Zamazenta. En espérant que cette fois-ci, on ait un peu plus de chance. Parce que là, pour le coup, on n'a vraiment que la carte promo à vous montrer. Ouais. Donc, on est désolé. Mais bon, voilà. Comme la dernière fois avec Evoli. Ouais, comme la dernière fois avec Evoli, tout à fait. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, voilà. Bon, eh bien nous, en attendant, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit... qu'on espère qu'ils ont bien aimé la vidéo. On espère que vous aimez bien la vidéo. Et puis, qu'ils peuvent nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et Facebook. Voilà, donc ça, c'est pas facile la fin. Hein. Bon, mais voilà. Bon, allez, on vous dit à très bientôt et de passer une bonne semaine. Ciao tout le monde. Ciao.